Nous sommes le jeudi 8 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Nous démarrons cette édition par la marche des artisans menuisiers du département de Mbours. Ils étaient hier, mercredi 7 juillet, dans les rues de la capitale de la Petite Côte pour déplorer la chèreté du matériel de travail. Et ils lancent un appel solennel au président de la République, Macky Sall, pour qu'il leur vienne en aide. Je vous propose d'écouter Mohamedou Bachir Gueye. Il est le secrétaire général de l'association des menuisiers du département de Mbours au micro de Mbours FM TV. Qui sont tellement fatigués à cause de quoi? À cause de ce que vous avez entendu tout à l'heure, la chèreté des bagages, la chèreté de la matière d'œuvre. La matière première, c'est quoi? C'est le bois et ses dérivés. Actuellement, le contreplaqué coûte excessivement cher. On a triplé même le prix. C'est à 7500 qu'on vend le contreplaqué de 5 mm. Et là, nous déplorons ça. Avec ça, on ne peut pas travailler. Avec ça, on ne peut pas vivre de nos métiers. Si on ne vit pas de nos métiers, ce n'est pas la peine de travailler. Nous travaillons pour avoir quelque chose, pour y gagner quelque chose. Si on travaille et on n'y gagne absolument rien du tout, l'essentiel c'est que de laisser le travail, donc aller vers le Barça et le Barça. Pour ne pas aller vers le Barça et le Barça, il faut qu'on gagne quelque chose sur le marché que nous gagnons, sur les marchés que nous gagnons. C'est-à-dire, travailler et ne pas gagner quelque chose, ça c'est pas travailler. L'essentiel c'est de ne pas travailler. Nous, ce qu'on fait, on fait vivre des enfants dont le pays devait donc tenir en considération avec eux. Les enfants, nos apprentis, nous on les paye. On paye nos apprentis à manger, on paye nos apprentis à s'habiller. Sur quoi? Sur le gain que nous recrutons sur le marché. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas à avoir ce bénéfice-là, l'essentiel c'est quoi? C'est de ne pas aller travailler. Nous déplorons vraiment la chèreté de la matière d'œuvre. Et là, on exhorte, on lance un appel au président de la République. Parce que ce problème-là, c'est le président de la République qui doit régler ça. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous vivons pour le développement de nos pays. C'est pourquoi on est des artisans. On est des artisans menuisiers. On travaille pour développer le pays. Et le président doit nous aider. Il faut que le président de la République nous aide donc à voir le problème, là où se trouve le problème. Là où se trouve le problème. La chèreté du bois, c'est excessif. C'est énorme. Mais on ne peut plus maintenant travailler. On va rester chez nous alors que le pays va avoir des chômeurs. Oui, parce que celui qui a un métier qui ne travaille pas, c'est un chômeur. Donc c'est ça que nous déplorons. Nous déplorons vraiment cette chèreté de bois qui de plus en plus est chère. Les menuisiers de la commune de Mbours sont là. Les menuisiers de la Petite Côte sont là, sont fatigués. Aujourd'hui, on est presque à 2 semaines de la Tabaski. Nous avons des commandes. Mais on ne peut pas achever nos commandes parce qu'à cause de la chèreté du bois. On ne peut pas achever nos commandes à cause de la chèreté du bois. Ce sont les propos de Mohamedou Bachir Gueye. Il est le secrétaire général de l'association des menuisiers du département de Mbours. Parlons maintenant de l'éducation. L'association pour le développement de Sanok a organisé une fête de l'excellence pour primer les meilleurs élèves de toutes les écoles de la localité. La cérémonie s'est tenue au lycée mixte de Ndiaro et le docteur Tenningsen a été choisi comme marraine de cette édition. Écoutons Biram John, le président de l'association pour le développement de Sandor, qui revient sur le choix de la marraine au micro de notre reporter. Le choix de Dr Tenning, c'est un choix qui était évident, parce que Dr Tenning est une dame de fer, une dame qui fait tout pour la localité de Sandor. Donc on ne pouvait que choisir cette dame-là, parce que vraiment, c'est elle qui nous accompagne dans toutes les activités. Donc, elle est présente partout. Je dirais même partout dans Diaganiaou. Donc, Dr Tenning, elle est partout. Elle nous soutient. Elle soutient la communauté. Elle soutient nos parents. Elle soutient nos élèves. Elle soutient nos écoles. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que président, je n'ai pas hésité à porter le choix de la marraine donc, sur sa personne. Quelles sont les actions qu'elle a faites ici? Le docteur a toujours œuvré pour le développement scolaire. Donc, au niveau, si je ne peux même pas citer les actions parce qu'elles sont nombreuses. Donc, elle a toujours soutenu l'école sur la fourniture des tables bancs. Donc, je dirais en moyens logistiques, des ordinateurs, des fixes scolaires. Donc, elle a beaucoup soutenu l'école.
Avant même d'être politicienne, vous avez entendu les discours des autorités présentes à nos côtés. Donc vraiment, elle a beaucoup fait pour non seulement cette école, mais les autres écoles en matière de distribution, de fourniture, de table banc, d'organisation, etc. C'était Biram John, le président de l'association pour le développement de Sandor, qui revenait sur le choix de la marraine. D'ailleurs, Dr Tening Sen, directrice générale de l'aquaculture, fille de la localité et marraine, était présente à cette cérémonie. Nous l'écoutons au micro de Mbour FM TV. Voilà, nous sommes aujourd'hui réunis ici à Ndiarao, une localité qui est à Sandor. Une zone Sandor est une zone où je suis originaire. Donc aujourd'hui au CM de Ndiarao se déroule la fête de l'excellence organisée par l'association pour le développement de Sandor, ADS, qui a pensé qu'il fallait primer les meilleurs élèves de toutes les écoles de Sandor, du CM mais aussi du lycée. Et donc à l'occasion, j'ai été donc choisie comme marraine, ce qui est un honneur pour moi, mais également un grand plaisir de venir soutenir les élèves de ma chère localité, les élèves qui constituent l'avenir de Sandor, comme je l'ai dit dans les discours, les élèves qui doivent construire Sandor Ndiagayan, les élèves qui doivent aussi construire le Sénégal. Et nous avons donc saisi l'occasion aussi en dehors des prix pour pariser sur l'importance qu'il se concentre sur les études, sur l'intérêt d'être bon, sur l'intérêt d'être excellent, sur le fait qu'eux constituent l'avenir du Sénégal, mais également sur le comportement d'un bon élève à l'école. Donc vraiment, on a rappelé en tout cas à ces élèves la nécessité d'être bon, d'être ponctuel, mais également d'être correct. Mais aujourd'hui, nous avons assisté à la distribution de prix à 93 élèves des écoles de Sandor, du CM et du lycée. Et juste dire une chose qui m'a vraiment séduite, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez vu de 6e à la 4e, les meilleures filles de 13 à plus de 15, les meilleurs élèves sont des filles. Je pense que ça, c'est important. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les filles sont à l'école, les filles persévèrent de rester à l'école, d'étudier jusqu'à vraiment avoir des diplômes, avant, en tout cas pour éviter les déperditions scolaires qui sont souvent élevées, surtout au niveau des filles. Docteur Tening Sen, la marraine, elle est aussi la directrice générale de l'aquaculture. D'ailleurs, le principal du CM de Ndiaror, M. Ardo Sambaba, s'en félicite et livre ses impressions sur Mbour FM TV. Nous l'écoutons. Donc, l'objectif de cette rencontre, c'est de promouvoir l'excellence et de créer l'humiliation au niveau des élèves. Pratiquement, on s'est dit que, par exemple, avec le président de l'ADS, qui a organisé cette journée, et ils ont associé le CM de Ndiarao. Donc, vraiment, c'était quelque chose de louable, parce que le fait de promouvoir l'élève, de le pousser à exceller, peut-être en donnant des prix aux meilleurs élèves, ça peut créer demain l'humiliation au sein des autres élèves. Donc je crois que c'était ça l'objectif principal de cette journée. Avant d'en arriver à l'actualité internationale, je m'en vais vous lire le point Corona du jour. Aujourd'hui, 8 juillet 2021, communiqué 494 sur 2166 tests réalisés, 354 sont revenus positifs, 135 sont des cas contacts, un cas importé, 218 cas communautaires, 82 patients guéris, 19 cas graves et un nouveau décès. À ce jour, 44 790 cas ont été déclarés positifs, dont 41 988 guéris, 1184 décès, 1617 sous traitement et 567 908 vaccinés. Dans quelques instants, l'actualité internationale.
Nous démarrons l'actualité internationale en Éthiopie. Le projet éthiopien de méga barrage sur le Nil Bleu qui fait l'objet jeudi d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a suscité des tensions régionales, notamment avec l'Égypte qui dépend à 97% du fleuve pour son approvisionnement en eau. Le bassin du Nil couvre plus de 3 millions de kilomètres carrés, soit 10% de la superficie du continent africain, traversant 10 pays, Burundi, République démocratique du Congo, Égypte, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud, Soudan et la Tanzanie. Nous irons également en Afrique du Sud. Il incarne à la fois le meilleur et le pire de l'Afrique du Sud. L'ex-président Jacob Zuma, détenu politique pendant la lutte contre l'apartheid, s'est constitué prisonnier mercredi 7 juillet après une condamnation de prison ferme pour son refus de témoigner devant une commission anti-corruption. Nous terminons l'actualité internationale en Algérie. 3 semaines après les élections législatives, l'Algérie a un nouveau gouvernement. Le président Abdelmadjid Tebboune a dévoilé mercredi 7 juillet les noms des 34 membres de cette équipe, dont 17 ont été reconduits selon un communiqué officiel. Dans quelques instants, l'actualité sportive. Nous démarrons l'actualité sportive avec Mondial Basket U19. Le Sénégal bat le pays hôte, la Lettonie, et se qualifie en quart de finale sur la marque de 57 à 44. Nous terminons également l'actualité sportive avec le Lion de Guédiouaï, Balagueïde, depuis le 10 mai dernier. Il séjournait en France pour se préparer ses prochains combats. Ce dernier revient demain à Dakar. Nous vous rappelons que le Lion de Guédiouaï doit affronter Bombardier, le B52 de Dombourg. Ça sera le 31 juillet prochain, à Boignan le 2 janvier et ensuite Gris-Bordeaux. Mesdames et messieurs, c'était votre flash d'information. Donc, dans quelques instants, nous continuons, Inch'Allah, l'actualité en Wolof. Merci beaucoup à toutes et à tous. Tay di al khamis yemoko juroom ñetti fan ci wërum souliette atum 2021 bokk yi dal li jam ci flash information manam tankum xibaar yi dañ koy doré rek ak ñi nga xamné nak ñoy menuisier département Dombour ñu amone ap dox way tam mën nañu né sax ap doxu ñaxtu demb la won ci mbeddu mbuur yi luñ doon nakarlu wala diko ñaawlu sax moy cheru li nga xamné rek mom moy seen jëm tuway yi nga xamné mom lañuy liggé jëm sax ci li nga xamne mom moy banti ak lu nu mel ñuy wo nak njitu rewmi di Macky Sall ndax ngir rek ñu jappalé len ci lu nu mel ñu deglu ki nga xamne rek moy Bachirou Gueye nek président Bobuli Kurel li ñu taxajok aussi moy matériel bu cher bagage bu cher mo ñu taxajok ñun menuisier yi amatu ñu dara mënatu ñoo tabax kër mënatu ñoo jënd auto mënatu ñoo def dara te menuisier bu ñeek bo gis amna kër gu baax amna auto bu rafet géré nañ jabotam comme il le faut liñu taxajok moy xalé yi nga xamné ni ñi ngi dugg ci gal yi di dem Barça wala Barça lolu mo gëna tax ñun ñu gën di xex créer association bi pour xalé yi mëna ñëw tok ñu and ak ñom liggéey jangal leen métier mais légui ñu féké da nga yor métier boy féké da nga yor atelier menuisier yor ñaari apprenti ñu gis la yow ren ba déwen fa nga nekkon jogulo fa xalé yi dañuy décourager dem ci yor walen di tey ci atelier yi mais buñ ko ci lu len tey ci atelier yi buñ tok ci atelier yi nañ len jappelé nañu état jappelé wañul ñu bagage yi wañul ñu matériel bi nañu état jappelé jox ñu ay sheet de recagement nañu état jappelé suñuy pack boy bop parce que ku ko am do ko jaay ci bop lu cher nañu lolu lañ bëgg état jappelé ci yeen wa autorité mbuur yi ñing len di ñaax gën jappelé ñu pour lolu état jappelé ñu ci ñu am ko menuisier yi mom sonu nañu menuisier yi sonu nañu compte plaqué bu doon jar 4500 dem bay jar 7500 xam nga ne lolou jaadou djekul jaadou wut legui ñu dem ba bois bi le mercure ñing ko doon jaay 500000 ñu le 600000 francs
koku bo liggéey nan nga cey gënne menuiserie da ngay gis ku joggé fa léne porte la solo nga ne ko porte 90,000 mu ne la mënuma ko jëndé lolu té boko défé 1 mois bo xam liggéey lo di nga am problème bo xamné ni di nga mujj jël lolu té ya fokéne mujj ji police wala gendarmerie gënd mujj ji ñuy ñi interpeller état nak mu jappalé ñu ngir yalla ak yolanté bi jappalé menuiserie yi na ci département bour surtout parce que ñu fi lañ dëkk fi lañu xam di jappalé ñu wañil ñu bagage bi financer ñu outal ñu ay fonds outal ñu ay carte professionnelle ñu mëna liggéey mëna stable fo ñoy kër di jéggalu koku moy Matar Mbow mi nga xamné mom mo jité kurel gi nga xamné mo ëmb nak menuiser yi nekk fi ci département bu Mbour ci sen doxu ñaxtu jëm rek ci li nga xamné nak moy chérété li ñuy wowe sen jumtuway melni ay bant ak lu ñu mel dañuy wax ci leneen bi pa ci mbirum jang mbek jangale mi lañuy waxtané dem nak ci gox gi nga xamné mom moy sandok fofu nak association bi manam kurel gi nga xamné moy dox rek ci li soukalé sandok mom nak mo amone ben journée bo xamné manam ben bes bo xamné rek mom mu ngui jaglé élèves yi nga xamné ñu dakk jang ci bobulé gox ñu daldi jël bes bobu nak dara jalé ko ki nga xamné mom moy docteur Tening Sen mi nga xamné sax ci dëkk ba fa la fekk baax ñu déglu ki nga xamné mom moy Biram Dione nek ki nga xamné mom mo jité itam bobulé association dañu nek fi tay sandok pour mëna jox suñu élèves yi nga xamné ño gëna rañéku ci composition yi ñu joggé ni ñu tuddé ko prix de l'excellence donc ñu défal permanence bi permanence élèves yi ak le principal et le corps professoral bu ñu ko joxé donc ñu xalaatone dañu wara am parrain parce que dafa nek liggéey bo xamné mënuñ ko wona def parce que ça demande des moyens dafa laaj ay moyens yo xamné mënuñ ko wona def légui buñ ci waxtané man ñu xalaat tuddé ko bës bi mom rek lañ ko mënon tuddé bo ñu défal ñu luñu bëgg parce que aussi lolu motax choix bi légui buñ ko waxé aussi elle n'a pas hésité néna la sank elle est présente partout dans la commune di def ay action yu baax di def lo xamne lolou la population bi bëgg lolou lañ bëgg ñu bokk ak mom génération nak motax ñu né pourquoi pas ñu tudé ko bës bi parce que gisunu keneen lu muy def fi actuellement gisunu ku ko def te Olof Ndiaye néna wax su mbax morom du wañi dara ci sa mbax motax suñu choix ñu porte ko ci mom action yu ci jotta def néna la sank buma koy limni damay joom ndax te bo waxé école wax table blanc bo waxé école wax ay fourniture bo waxé école donc wax ay soutien ta mom yag na di soutenir les écoles de la localité deg ngeen ko sam amna ko don rappeler table blanc yu mu don indi fi ordinateur lepp lo xamné école soxla nako dal donc mom mu ngi ci œuvrer bala suñu bes bi donc yag na diko def moy motax ma neela action yi mom ken munu ko konté mom chaque jour mu ngi ci lepp lo xalat lu bax lu dem ci suñu école yi suñu localité mom mu ngi ci te neena yemul ci suñu localité bi parce que Ndiaga Niaw dafa nek ñatti patch dafa am zone Bafon am zone Sandok am zone Ndiaga Niaw Sand bo demone Bafon tay wala nga dem Ndiaga Niaw Sand lim lay wax lolou lañ lay wax donc motax mu neela lepp lo xamne soxla nañ ko rek mom mu ngi ci Biram Dione di président de l'association pour le développement de Sandok mom mo jité mbotay bi nga xamné day dox rek ngir Sandok muna suqaliku mu don ñew ci li nga xamné mom moy tan bi ñu tan rek docteur Tening Sen ngir ñu mu don ki nga xamné mom lañ dara jalé e bes bobu koku di docteur Tening Sen nek directrice générale de l'aquaculture mom moy ki nga xamné mom lañ dara jalé e bes bi don itam domu dëkk ba ñu dégliko ci micro Mbour FM TV dañ ñu ngi dajé fi tay fu ñuy wax CM Ndiaraw lycée mixte wax lay wax ndax CM la lycée la Ndiaraw mu ngi nekk ci benn gox bu ñu tuddu Sandok mu ngi nekk ci biir Ndiaga Niaw man ci gox bobu la juddé fofu la maggé donc fofu la délu ci tay ci woté wu association pour le développement de Sandok muy do développement gox bi ñu xalaatoon né ñun dé suñu gox bi suñu élèves yi nga xamné dañu mëna jàng dañu gën mëna jàng dañ leen waxoon jox ay cadeau ndax ñu gëna sawar gëna jàng mais ene aussi ñeneen ñu gëna sawar té lool dafa am solo parce que comme ni mo leen ko waxé man bo gisé tay mu mëna def li
c'est parce que dama jang motaxit buñ ñuko waxé man dama ci sawar donc di ci remercier président bi nga xamné moko proposé donc ñu jox leen lo yi nga xamné ñu ngi fi primé tay juroom ñen fukk ak juroom ñatti élèves yo xamné ño daaka jang ci gox bi ci fukki école ak juroom gox bi ñu jox leen ay cadeau ci lolu tamit luma ci gëna né moy ñu ci upp yépp bo jëlé fukki peut-être juroom ñatti yi ay jigen lañu donc lolu amna solo donc tay lolu lañu nekkon di fété ñu waxtanalé ak xalé pour ñu gëna gorgol lu gëna jang gëna yaru gëna ndax buñu maggé ñu gën mëna jappalé sen wajur gën mëna jappalé sen gox gëna mëna nekk ay autorité Sénégal ay ministre ay directeur même pourquoi pas un président de la république lolu mo taxon tay ñu sawat ci waxtan ak ñom wax leen ñeriñu jang wax leen ñu gëna gorgol ci école bi man message ngay lancé parents d'élèves yi téla may xalé jigéen yi ñu sey wa téla may bi comme ni ngeen ko waxé ñi jangalé wax nañ ko principal bi wax nañ ko dañuy xol xalé yu nga xamné dañu am avenir dañu mëna jang ñom lañuy mayé bu ko défé sen jang day yëm fofu té mënon nañu bayyi ñu jang ba am diplôme après soga am jëkkeur man nga am diplôme jang liggéey am jëkkeur mënal sa bop mënal sa ñëbot mënal say mbokk mais mënal sa dëkk comme nima ko waxé man jang ma taxayé gi fi kon wax nañ leen xalé dé ma war nañu sey jigen day sey mais nak mënal leen bayyi ba ñu jang ba am diplôme ba am ci luñu japp bu mënal sen bop après ñu sog leen di mayé donc lool vraiment waxtan nañ ci ak parents yi maye muy ay cadeau docteur Teninki Sen dañuy deglu ki nga xamni sax mom itam moy principal ou CM Ndiarow mom di Ardo Sambaba mu ngi ci rafetlu ñu deglu ko ci suñu micro confrère bi nga xamni mo ñu fa téwalon waaw tay journée bu ñu organiser fi Ndiarow journée ñong ko tuddé journée de l'excellence moy na wa association ADES association pour le développement de Sandok ñom ñoo organiser journée bi bolé ci wa Ndiarow wa CM de Ndiarow pour ñu au moins élèves yo xamantene durant le premier semestre liggéey nañ liggéey bu mucc ayib ñu wone ko fessel leen moy jox leen ay prix jox leen cadeau yo xamantene ëlëk ci biir sen moori nawlé élèves yi dañ né ah puisque ñi am nañ peut-être man tam dewen na gëna xar sama tank tubey pour que suñ koy défar ñu ci am quoi donc lool dal mo non solo ndaje tay bi quoi mu nekkon Ardo Sambaba nek principal CM bu Ndiarow lata ñuy dem ci xibaaru bi ci rew yi dañ leen indi le tollu wayu mbassmi tay ji juroom ñetti fan ci wéru musuliyet atum 2021 ñi ñu defal nak test ngir ñu xam rek ndax dañu am mbassmi wala deet ñu ngi tollu ci ñaari juni ak témèr ak juroom ben fukk ak juroom ben nit ñu ñetti témèr ak juroom fukk ak ñent ñom ñoko am témèr ak fanwer ak jurom ñom lañuy wowe ka contact kenn ko xamne nak ka importer la ñaari témèr ak fukk ak jurom ñet ka communautaire lañu am jurom ñet fukk ak ñaar ño wër fukk ak jurom ñent nak mom ño nek ka grave ño nek ci lalu hôpital yi kenn nak mo ci fatu bi mbassmi duggé Sénégal batay nak ñen fukk ak jurom ñent juni ak jurom ñaari témèr ak jurom ñen fukk ñom ño dal di am mbassmi lu tollu nak ci ñeen fukk ak benni juni ak juroom ñenti témèr ak juroom ñetti fukk ak juroomi nit ñoo daldi wër juni ak témèr ak juroom ñaar fukk ak ñenti ñoo ci daldi fatu juni ak juroom benni témèr ak fukk ak juroom ñaar ñoo nekk ci lalu hôpital yi juroomi témèr ak juroom ben fukk ak juroom ñaari juni ak juroom ñenti témèr ak juroom ñetti nit ñoo daldi ñaku ñu ñëw légui ci li nga xamné rek moy xibaaru biti réew yi xibaaru biti réew yi dañ koy doré rek falé ci Éthiopie projet bi nga xamné nak Éthiopie amna ko ngir défar ab barrage bo xamné fofu lay nekk ci dex bi ñuy wowé Nil lool nak indi won jama sanké digënté réew yi nga xamné ñom ñoko sékk ba tax sax ONU conseil de sécurité bi daldi woté ab ndaje tay ji ngir ñu waxtaan ci lu ñu mel té ñu suñu xolé sax li nga xam dex bi ñuy wowé Nil mom ci lu mu lalu ci ay souf rek mo ngi tollu ci ñetti téméri millions kilomètres
carré ta dëkk ëmb na fukki dëkk yo xamné ñom ño fa nek mu melni Burundi, République démocratique du Congo, Égypte, Éthiopie, Kenya ak Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud, Soudan ak Tanzanie. Ñu dem Afrique du Sud ki nga xamné nak mo fa néwon jitu réew di Jacob Zuma mom nak mëson nañ ko japp jamono ji nga xamné ñu ngi xex li ñuy wowe apartheid dembu nak la dem rek wuy ji ñi nga xamné ñoy tay taku der yi ndax dañ ko doon wo mu baña dem lolu tax sax ñu daan ko lu tollu ci fuk ak jiromi wéru kasso dembu nak lay doga fanan ci kasso liñ koy topé wax nañ leen ko légui ni rek commission anti terroriste mom nak mom moko wolu manam ji xex mbirum guerre ñu jéxalé xibaaru biti réew yi ak Algérie ñom nak ñetti ci ay bëssangi ni ginaaw bi nga xamné nak élection législative yi jéxna fa ñom xamlé nañ seen gouvernement bu bëss bi jitu réew mi di Abdel Majid Tebboune mom nak dembu la ko xamlé bané sax lu tollu ci fanwer ak ñenti nit ñoo wara ngank bobulé gouvernement lu tollu ci itam fuk ak jirom ñaar ñom lañu woowat ñom ñoo bokkon ci gouvernement bu ñëk ba ñu woowat leen ñu wara ñëw rek bokkat ci gouvernement bu yes bi ñu ko xamné ci ap communiqué bi nga xamné rek ñu koy woné nañ ko légui ñu ñëw ci xibaaru tagat yaram yi xibaaru tagat yaram yi dañ koy doore rek ak mondial basque U19 bi xewé falé ta Lettonie Sénégal nak doorna Lettonie ci jirom fuk ak jirom ñaari bal ci ñenti bal ak ñent ci quart de finale yi ñu wax ci ki nga xamné itam mom lañuy wowe Gaynde Guédiaway di bal gay de fukki fan ci wéru mai la demone falé di France mom nak suba la wara ñib ci inshallah fofu ci Dakar ñu fatelene né mu ngi wara boré nak ak le 25 de Dombour manam Bombardier ci fanwéri fan ak ben ci wérum sulet buñu nek ni boy ñam wara bu rek mom ñaari fan ci wérum janvier bi di ñew li ci toftalu itam Gri Bordeaux la wara amalat benen combat mbokk xibaar yi bur nañ ñu sant ñep di gëreëm ñep di sant bu baax Issa Dior Sall mi nga xamné mo néwon ci togg bi di jëppako ak tay astu sen ci warlum xaralé gi jajeufal képp ko xamné itam nga ñi doon bayyi xel joxanti dig daji yek yeen inshallah suba fi ci Mbour FM TV 96.5 fréquence Barbie.